Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. Je m'appelle Sophie. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce petit cadre photo, réalisé grâce à du panneau publicitaire en plastique recyclé. Donc, si vous souhaitez apprendre avec moi comment réaliser ce panneau, je vous propose de me suivre dans la suite de la vidéo. À tout de suite. Que j'ai deux points, je vais couper ça propre. Voilà, je vais utiliser en fait le dos de les oreilles de ma paire de ciseaux et je vais venir tracer avec l'oreille du ciseau pour faire un pli en fait. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est refaire un pli de l'autre côté. Comme ça, on aura une belle plicature régulière. On appuie bien fort. Hein. Et là, je vais venir plier. Voilà. Là, j'ai celui-là. Hop. Là, je vais me faire un point. Ici, je vais me faire un trait à 1 cm du bord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on va mettre le cadre photo, enfin la photo dans le cadre, il ne faut pas que la photo qu'elle reste en place par rapport au cadre photo. Il ne faut pas qu'elle descende plus bas en fait. Alors là, à 1 cm du bord, ce que je vais faire, je vais me faire un petit trait. Voilà. Je vais faire un trait au pistolet à colle. Alors pas épais, hein, juste ce qu'il faut. Voilà. J'en ai mis plein l'arrêt, mais c'est pas grave. Ça, ce petit rebord là, ça me permettra de faire tenir la photo sans qu'elle se sauve à l'intérieur du cadre. Ce qu'il faut bien, c'est voilà, aller assez vite sans se précipiter et bien viser pour bien négocier l'angle. Donc c'est parti. Hop. Voilà. Et je replie. Ensuite, maintenant, je vais coller ici. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Hein. Je vais venir faire un trait de colle. Alors bien rester près du bord. Et venir assembler. Voilà. Donc là vous aurez un cadre qui sera pratique. Vous pourrez interchanger les photos. Là, je vous montre pas parce que c'est un membre de ma famille. Je vous la montre à l'envers. Donc là, je peux la serrer dedans normalement.
Donc voilà, ça y est, la vidéo est enfin terminée. Je vous remontre le cadre. Donc là, une fois que j'aurai fini de tourner cette vidéo, je pourrai enfin mettre une vraie photo. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe sur cette chaîne, donc c'est une chaîne où je diffuse tous les semaines 3 vidéos. Tous les lundis, c'est des vlogs nature. Les mercredis, des vidéos sur la vie quotidienne. Et les vendredis, je fais des vidéos de création. D'ailleurs, le vendredi dernier, j'ai fait paraître une vidéo pour apprendre à créer cette petite corbeille que j'ai réalisée aussi entièrement en matériaux de recyclé. Donc si vous êtes intéressé pour recevoir d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.